Il y a des problèmes avec des chiffres qui sont faux, des méthodologies qui sont incorrectes, et puis il y a aussi un effet médiatique, entre guillemets, qui veut que plus un chiffre est énorme, et plus il semble crédible aujourd'hui. Je suis fondateur d'entreprise, informaticien, je suis également dans un parti politique, le Parti Pirate, donc j'ai été candidat aux dernières élections législatives. Je dirige une entreprise qui s'appelle Clever Cloud. La crise en fait, écologique qu'on vit génère des angoisses tout à fait légitimes, parce que enfin, c'est une crise qui est grave. Et ces angoisses qui sont légitimes ont besoin de se fixer, et comme souvent, elles se fixent sur la modernité, et le numérique représente la modernité. Et donc c'est une cible qui est relativement facile. Ce que je propose à tout le monde, c'est d'essayer de s'informer un petit peu, d'essayer de mesurer lui-même, essayer de voir quels sont les impacts dans notre vie de tous les jours, hein, et essayer de comprendre un peu tout ça de manière plus détaillée, ne pas croire tout ce qui circule. La première raison pour laquelle on se compte, c'est que c'est très 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 compliqué dans une très 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 large chaîne industrielle de comprendre où sont réellement les enjeux de consommation, de production de gaz à effet de serre, etc. Et donc en fait, on se retrouve avec des chaînes qui sont très compliquées à analyser, et des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de les analyser, parce qu'il y a des chiffres qui n'existent pas, parce qu'il y a des chiffres qui n'existeront jamais. Typiquement, ça c'est assez récent, c'est la ministre française dont on parlait dans la conférence qui a expliqué qu'il valait mieux se retenir d'envoyer des courriers électroniques rigolos plutôt que penser à éteindre la lumière, parce qu'elle avait l'impression, alors c'est pas de sa faute, hein, ça vient de vulgarisation depuis 10-15 ans complètement incorrecte, elle avait l'impression que l'impact du courrier électronique était colossal. Et c'est quelque chose qui est vraiment percolé dans une bonne partie de la population en France. Je pense qu'avec Pierre, on a essayé d'être un peu iconoclaste dans cette approche-là. On essaye de ne pas poser les problématiques comme étant nécessairement un martinet pour se battre, mais essayer de poser les problématiques un peu aussi en tant qu'ingénieur, et essayer de dire, OK, il y a quand même des choses qui sont anormales dans la façon dont certains comptes sont faits. Et donc, on est là pour dire, OK, le numérique a certainement des économies à faire. Il faut regarder où est-ce qu'on peut les faire, pourquoi et dans quel sens. Et je pense que c'est là que sont les enjeux importants.